Alors, dès la phase épidémique, le service départemental d'incendie a travaillé sur un plan de continuité d'activité. Il a fallu, par la suite, dès le confinement décidé par le président de la République, eh bien, mettre en place trois mesures. La première mesure fut le service minimum au sein des centres d'incendie et de secours. Tout ceci parce qu'il nous fallait adapter notre potentiel humain à l'activité opérationnelle. Il faut noter que depuis ce confinement, l'activité du SDIS a chuté de 30 à 50% selon les différents jours de la semaine. Et dès lors, il nous fallait pouvoir préserver les effectifs dans la durée. Deuxième mesure, ce fut la préservation de la santé de nos agents, personnes administratives et techniques, afin de pouvoir leur permettre un confinement à domicile et privilégier le télétravail. Ce n'est pas évident pour nous de mettre en place cette mesure, car il nous faut également permettre l'accès sécurisé à nos différents serveurs. Donc je remercie les services informatiques du SDIS pour le travail accompli. Et enfin, nous avons mis en place un comité de gestion de crise. Il nous faut transmettre régulièrement, quotidiennement, nous avons un entretien avec la présidente du SDIS, avec le directeur de cabinet du préfet. Il nous faut anticiper la crise et pour cela, il nous faut piloter et anticiper les mesures à prendre. Pour aider ce comité de gestion de crise à prendre des décisions adéquates, eh bien, nous avons également mis en place une cellule de commandement opérationnel. Le Covid-19, malgré la présentation qu'en font les médias, reste une maladie qui, pour l'essentiel, est bénigne. Sa gravité est constituée par le fait que les formes sévères amènent malheureusement régulièrement les victimes en réanimation. C'est une maladie qui se transmet pour l'essentiel par des gouttelettes projetées lors de la toux ou lors de la parole par les postillons. On peut aussi se contaminer en touchant une surface sur laquelle le virus a été déposé, puis en portant sa main à la bouche ou au nez. En effet, le seul mode de pénétration du virus dans le corps humain est par la sphère ORL, c'est-à-dire l'intérieur du nez et de la bouche. C'est pourquoi les mesures de précaution sont les gestes barrières qui permettent de ne pas projeter de virus sur son entourage, c'est-à-dire tousser dans sa manche et surtout se tenir éloigné à plus d'un mètre des autres personnes. Il faut aussi régulièrement se laver les mains. L'application des gestes barrières au niveau du centre de secours va permettre d'éviter de se passer les uns les autres le virus. Il faut faire attention notamment aux phases de rassemblement, au moment où l'on mange ensemble et lors des départs en intervention sur le positionnement des personnels dans les véhicules. À la maison, il n'y a pas de recommandation particulière pour les personnels de santé. Une bonne application des gestes barrières est suffisante et évite en fait de risquer de contaminer sa famille. En intervention, enfin, les équipements de protection biologique qui sont mis à disposition des sapeurs-pompiers est suffisante et permettent d'éviter le contact avec le virus. Il faut bien se rendre compte qu'un sapeur-pompier en intervention est mieux protégé contre le virus que lorsqu'il sera en ville, notamment pour faire ses courses. Avant de vous préciser ce mot d'ordre, je tiens dans un premier temps à remercier l'ensemble du personnel du SDIS. Les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, car depuis ce confinement, depuis la gestion de cette crise, notre disponibilité opérationnelle est excellente. Donc remercie pour ce dévouement et cet engagement. Remercie également le personnel administratif et technique, car le service d'incendie et secours du Finistère fonctionne en mode de dégradé, mais par le biais du télétravail, nous arrivons à mener à bien nos différentes missions. Donc merci à l'ensemble de ce personnel. Le mot d'ordre pour nous est simple. D'abord, protégeons-nous par les différentes mesures barrières que le médecin-chef vient de vous préciser. Il nous faut nous protéger afin de protéger nos concitoyens et afin d'assurer, dans la durée, la continuité des missions du SDIS.